T'as bien compris ce que tu dois dire. T'en fais pas, je serai comme ça. Matouzek n'y verra avec du feu. Il faut que ça marche, il faut qu'il te croie, sinon je récupère pas ma femme. Ne t'inquiète pas, petite tête de loulou. Je vais le faire pleurer, ton Matouzek. Tu n'auras jamais rencontré un type aussi malheureux que moi en ménage. Ma vie conjugale est un enfer. C'est ma femme qui m'a obligé à entrer dans la police. Moi, je voulais être jardinier. Mais pourquoi avez-vous obéi à votre femme? J'ai honte de l'avouer, mais elle me terrorise. Son père était commissaire de police. Elle-même, elle ne jure que par la police. Tenez, par exemple, quand je rentre le soir, il faut que je lui raconte tout. Qui j'ai arrêté, où, comment, quand. Ça me donne soif de parler. Vous voulez un petit verre? Ah oui, volontiers. Ça, vous êtes humain, vous, au moins. Tenez, ma femme, elle me pose une canette de bière sous le nez, mais je n'ai pas le droit d'y toucher tant que je n'ai pas fini de raconter ma journée. Vous n'imaginez pas la rombière. Elle m'oblige à m'entonner au pistolet. Au pistolet, vous vous rendez compte? Il faut faire quelque chose pour lui, Matou. Je ne demande qu'à aider votre ami. Est-ce que votre femme est d'accord pour changer de mari? Oui. Elle a un amant. On a goupillé ça. Mais ce sera facile, alors. Bon. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. D'ailleurs, mon ami Flamand et moi, nous venons de fonder un mouvement. Une société secrète. Pour aider ceux dont le cas est intéressant. Vous serez des nôtres. Vous serez parmi les membres fondateurs du mouvement. J'accepte tout cœur. Moi aussi. On va tout faire sauter. Merci pour lui, Matou. Bon, à demain. Allez, viens, Martine. Viens, ma chère. Réunion demain chez un de nos compagnons, rue Falguière, à l'amicale des Pignoux de Paris. On y sera. À demain.